Et bien sur cette vidéo, ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment améliorer une image. Donc c'est cette image, une image qui a été prise avec un téléphone portable dans un atelier, pas de très très bonne qualité. Pour la rendre un peu mieux, eh bien on l'a détourée, donc c'est l'objet d'une autre vidéo. Une fois que c'est détouré, avant de mettre le fond, eh bien, on peut décider d'améliorer un petit peu. Donc là on a quelques petits outils, on peut tester ici, parfois ça fonctionne bien, les niveaux automatiques, on clique dessus. Bon, là, c'est pas folichon. Peut-être ici, au niveau des contrastes automatiques. Bon, ça me c'est trop paloche, ça ne me plaît pas. Donc, du coup, on va utiliser les autres outils. Là, je vais augmenter un peu la luminosité ou je la diminue. Vous voyez, ça nous fait une sorte de voile blanc. Par contre, les contrastes, là, c'est tout de suite plus sympa. On obtient quelque chose d'un peu mieux contrasté. Mais le problème, c'est que j'ai du coup les jaunes, les marrons qui deviennent un peu jaunes. Donc, je vais supprimer un peu la saturation. J'enlève la saturation, voilà, je suis un petit peu moins jaune. Et puis, je peux augmenter ou diminuer mes gammas. Voilà, le gamma, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup. C'est des corrections assez miracles, des photos prises à l'intérieur. On a quelque chose qui est vraiment pas mal. Ouais. Donc, voilà ce que se donne la photo une fois retouchée et la photo que nous avions au début. Voilà, une photo très paloche, avec sans relief. Ça a tout de suite plus de gueule. Voilà. Et là, si je veux faire un fond, ben, comme sur l'autre vidéo, je sélectionne un fond et je fais un dégradé. Voilà. Ah. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, quand même. Sympa comme ça.